Un match nul synonyme d'espoir de qualification pour les Lions indomptables du Cameroun qui se sont séparés sur le score de parité de 3 buts partout face à la Serbie dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poule dans le groupe G. Après la défaite 1 but à 0 face à la Suisse, Rigaud et ses poulains n'avaient qu'un seul objectif, à savoir faire bonne figure face à la Serbie. Une détermination qui va se matérialiser sur le stade avec l'ouverture du score par l'intermédiaire de Jean-Charles Castelletto. Après une baisse de régime, les Lions seront rejoints au score par la Serbie qui va enfoncer le clou 2 minutes plus tard en fin de première manche pour le 2-1. En seconde période, Rigobert Sombaranar va opérer quelques changements avec les entrées d'Abouaka Vincent ou encore Georges Kevin Koudou. Des changements qui seront bénéfiques puisque les Lions vont trouver le chemin de l'égalisation par l'entremise d'Abouaka Vincent et d'Eric Maxime Choupo-Moting. Une grosse satisfaction pour Abouaka Vincent, élu homme du match, qui revient sur les clés de l'égalisation. En deux, quand le coach m'a appelé, moi j'ai compris directement qu'il faut que j'amène de la profondeur. Parce que j'ai senti qu'ils étaient un peu lents, tout ça là. Ça pouvait ça que chaque fois j'étais dans le suppo. Dès que je vois que le mec il se suppo, j'essaie un peu de plonger. Donc ils avaient beaucoup de difficultés. Donc il faut s'enlever de l'esprit. On sait que, moi, honnêtement, dans ces championnats, j'ai vu hier le match du Maroc, ils ont mis tellement d'intensité. Moi, j'ai transmis le message à mes coéquipiers. Il faut qu'on mette de l'envie, de la volonté. C'est la victoire, ça va passer par là. Aujourd'hui, on a mis de la volonté, on a mis de l'envie, mais on a quand même arraché le match. Donc il faut continuer à rester dans l'état d'esprit. Mais aussi, son somptueux but. Et le football, je pense que c'est le plaisir, c'est la créativité, donc c'est les gestes qu'on répète tous les jours. Et ça m'a souri aujourd'hui, j'ai fait ces petits piquets. Non, je pense que la qualité, les qualités, je les ai. Bon, après, c'est les circonstances, les deux que j'ai fait ça dans la Coupe du Monde, et je pense que ça m'a souri vraiment d'abord. Je tiens à remercier mes coéquipiers pour ça, et grâce à eux que j'ai fait ces espoirs, donc je tiens. Il faudra donc travailler d'arrache-pied afin d'arracher la victoire face au Brésil le 3 décembre prochain, afin de s'offrir le ticket de qualification pour le second tour.